Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez demandé la recette avec le poulet. Ici, j'ai pris le poulet dans une cocotte. Je vais faire frire des morceaux de poulet. Vous pouvez les pré-cuire avant de les faire frire. Moi, j'ai préféré aller directement. Je vais saler et retourner mes morceaux de poulet. Ensuite, je pense qu'ils sont bien dorés. Je vais réduire l'huile. OK. Ici, j'ai frit le reste un peu hors caméra. Je vais renverser le tout dans un saladier et je vais utiliser la casserole qui m'a servi de friture pour faire frire ma pâte de tomate. Je rajoute juste un peu d'eau. On va couvrir, laisser tout ça bien frire. Ça va permettre à réduire l'acidité de notre tomate. Ici, j'ai rajouté les légumes mixés. Vous avez tous les noms en-dessus. Je rajoute un peu d'eau, on va couvrir, laisser tout ça mijoter également encore environ 10 à 15 minutes à feu moyen. Puis je rajoute une grande quantité d'eau. On va couvrir, laisser bouillir. Quand ça bien bouillit, ici je vais renverser mes cuisses de poulet, mes morceaux de poulet, kécha. Je vais assaisonner avec le bouillon d'assaisonnement qui va remplacer le cube d'assaisonnement. Pour tous ceux qui seraient intéressés, vous avez les informations en légende ou en commentaire. J'ai rajouté du sel, lori et de l'eau, poivre blanc. On a laissé mijoter et je vais rajouter une grande quantité d'eau qui va permettre au poulet de bien cuire. Ici, ça a bien bouilli. J'ai rajouté de l'eau au fur et à mesure, mais hors caméra. Je rajoute mes légumes tels que choux, carottes, aubergines. Potiron de l'eau. On va refermer tout ça, laisser cuire. Ici, je pense que mes légumes sont cuits. Je vais rajouter quelques piments. Voilà, on va laisser faire pita. Voici oh, la sauce là. Je vais rajouter du poivre blanc en fin de cuisson. Poudre de poisson, poudre de crevettes. Je vais rectifier mon assaisonnement avec le bouillon d'assaisonnement qui va remplacer le cube d'assaisonnement. So, guys, je pense qu'on va laisser mijoter. C'est prêt, oh! C'est pas pour manger aujourd'hui, eh? Je vais renverser dans de différentes baguettes. Voilà. Et ça ira au congélo. Bye bye. Versez biblique si vous m'attendez.